Les investisseurs étrangers ont à présent plein accès au marché chinois des actions et des obligations. Parallèlement, le régulateur du marché des changes de Chine a annoncé l'abandon de deux systèmes de quotas qui visaient les investisseurs étrangers, à savoir le QFII et le RQFII. Les deux systèmes ont été introduits en 2002 et en 2011. L'administration d'État de change a déclaré que plus de 400 investisseurs institutionnels venant de 31 pays avaient investi dans le marché financier chinois dans le cadre des deux programmes. Les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés peuvent aujourd'hui tout simplement s'enregistrer au lieu d'obtenir une autorisation pour investir dans les marchés financiers publics. Le régulateur du marché des changes a également indiqué qu'il ferait plus pour ouvrir les marchés financiers du pays et soutenir la participation des investisseurs étrangers.